Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. Je me dis, on s'est jamais fait un truc. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Ilan. Vous le savez tous, il y a plusieurs semaines, Alix était invitée sur le plateau Touche pas mon poste et elle avait accusé Ilan. Ilan s'était alors exprimé à son tour, il avait donné sa version des faits. Puis énormément de candidats de télé-réalité avaient décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux afin de s'exprimer concernant cette affaire. Ilan ne donnait plus du tout de nouvelles, comme sa copine Isabeau. Il y a tout juste quelques instants, en pleine nuit, Ilan a décidé de s'exprimer pour la première fois et il était littéralement en pleurs. En effet, il s'est effondré en larmes. Ilan a craqué et avoue que c'est extrêmement compliqué pour lui. Pour Ilan, il n'a strictement rien fait. Je vous laisse en plus attendre avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Amis, je vous dis la vérité. J'essaie de montrer que je suis fort et que j'essaie de passer ça, que j'essaie d'être fort dans cette situation, mais ça fait un mois, j'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. Elle a détruit ma vie. Elle a détruit ma famille, elle a tout détruit. Tout le monde me dit de me taire parce que ça va passer, mais j'y arrive pas. Vous vous rendez pas compte qu'ils se disent sur moi, c'est trop grave. Vous pouvez pas détruire quelqu'un comme ça médiatiquement, alors qu'il y a rien. J'arrive pas à me défendre, mais je n'ai aucun argument, mais je n'ai pas fait ce qu'on me reproche, c'est dingue. Je ne passe pas. Si la vérité, vous êtes en train de me tuer. Tout ça s'était passé sur une rumeur. Une rumeur. Là, j'essaie de prendre sur moi et de dire ça va passer. Là, c'est 4h du matin, je n'arrive pas à dormir. Je ne mange plus, je fais plus rien. Là, je craque parce que je suis tombé encore sur une interview de Sam Zira. Il me laisse pas tranquille. Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. Je me dis, on s'est jamais fait un truc. Je suis quelqu'un de fort, mais là, je craque. Beaucoup de monde m'ont tourné le dos pour rien. Ça fait un mois, je me suis renfermé sur moi-même. Je veux plus rien faire. Ils m'ont critiqué sur le fait que j'ai sorti un son, mais c'était le seul projet qui me raccrochait à quelque chose. Parce que je fais plus rien de ma vie. J'arrive pas à avancer. Ils m'ont détruit. Je vous jure que j'ai pas fait ces trucs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux plus. Tout le monde me dit il faut que tu te fasses tout petit, mais j'ai rien fait. Pourquoi je me ferais tout petit? J'ai rien fait. Je suis pas parfait, ça c'est la vérité, je suis pas parfait, mais par contre j'ai jamais voulu faire ça. J'ai jamais forcé quelqu'un à faire un truc qu'il n'avait pas envie de faire. Je fais pas ça. Moi j'aime faire rire la galerie, j'aime que les gens ils soient contents de me voir, pas des trucs comme ça. Je craque, j'en peux plus, je vous dis la vérité, ça fait trop longtemps, j'en peux plus.
J'essaie de garder la face, mais j'arrive plus. Je peux plus. Pas. Arrêtez, au moins laissez, s'il vous plaît, laissez ma famille tranquille. Juste ça. Si vous voulez vous en prendre à moi, faites-le, mais pas ma famille. Ils ont rien demandé. En fait, vous voulez quoi? Vous voulez que je meure, en fait, c'est ça? Je suis quelqu'un qui ne me laisse pas abattre par la vie, je suis quelqu'un de très fort, je fais mon maximum. Mais là, je vous dis la vérité, c'est très dur. C'est très 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 dur. Ils disent des atrocités. J'ai pas d'argument de défense, mais je vous promets, j'ai pas fait des trucs comme ça, je vous jure. J'ai mis 6 ans à construire tout ça, vous l'avez détruit en 5 minutes! Putain, merde! J'en peux plus, s'il vous plaît, arrêtez, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît! Y'a même pas une plainte, y'a rien! Putain de merde! Tout le monde me compare à d'autres gens, mais les autres gens, il y a eu des enquêtes. Moi, il n'y a même pas d'enquête, il n'y a rien du tout. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je me barre, j'en peux plus. Stop, s'il vous plaît. Stop, stop. Vous verrez que j'ai rien fait, je me bats jusqu'au bout. Mais en attendant, s'il vous plaît, laissez ma famille tranquille, je vous en supplie. J'ai rien fait. A détruit ma vie. J'ai quand même un peu de soutien. Je reçois quand même quelques messages de soutien et je vous tiens à vous remercier parce que vous vous rendez pas compte. Mais même un petit message, ça fait quand même du bien. Je suis totalement refermé sur moi-même. Je suis en train de tout perdre. Désolé de craquer devant vous, mais j'arrive plus à faire semblant. Je vous dis la vérité, je mange plus. Même boire un verre d'eau, ça. J'ai plus rien qui passe. J'ai maigri. J'ai plus envie de rien. Je vous dis la vérité, j'ai plus envie de rien. Mmh.